l'Église de Grenoble. Derrière péché se cache un démon. Amen. Non, ben, ça ne fait rien, je n'ai pas l'argent. Et quand quelqu'un te donne l'argent, tu sais que tu n'aimes pas le monsieur. Et que tu prends l'argent, tu t'es vendu à cause de ça. C'est un esprit de quoi? De prostitution que tu vas avoir dans ta vie. Tu auras l'envie de faire ça. Tu as fait une seule fois, hein? Mais un esprit est rentré dans ta vie. Aide-moi à l'entrée. Amen. Aide-moi à l'entrée dans ta vie. Et tu vas pas commencer à aimer les gens. C'est-à-dire, toi, tu es les démons pour leur argent. C'est pas de ta faute, hein, mais c'est un démon. C'est ce démon qui est en toi là, qui fait ça. Tu n'aimes pas les gens, c'est-à-dire, tu t'amuses avec eux, mais à cause de leur argent. Parce qu'il y a un démon qui est rentré dans ta vie. C'est un esprit de prostitution. Amen, mes amis. Amen. Amen. Donc derrière le péché se cache un démon. On dit amen. Amen. Derrière le péché se cache un démon. Et je vous ai dit que le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Donc quand vous désobéissez à Dieu, vous ouvrez une porte au démon. Vous demandez au démon d'entrer dans vos vies. Parce que ce sont eux qui sont l'auteur des péchés. Ils sont derrière les péchés. Et quand vous êtes dans le péché, il sera difficile à Dieu de vous visiter. Amen. Amen. On dit amen. Amen. C'est pour ça que d'autres font le combat. Vous allez quoi prier, mais vous êtes sur un terrain où Dieu ne peut pas venir vous défendre. Amen. Amen. Satan, sachant ça, il va vous mettre dans un état de désobéissance. Si vous avez vu que vous avez perdu le combat, c'est qu'il y a un problème de péché. C'est tout. Vous avez perdu un combat, c'est qu'il y a un problème de péché. Quand vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, quand Jésus, ils ont gagné Israël, qu'on appelle Jéricho, devant le petit peuple qu'on appelle Haï. La désobéissance a fait que les gens ont perdu le combat. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Dis à cette façon, ça va t'envoyer des choses dans ta vie. Voler des choses. Ah non, j'ai volé, tu voles. C'est un problème. Et puis les gens savent dire de voler. C'est des démons. Moi, quand il y a quelque chose de quelqu'un à dire, je ne suis plus à l'aise. Et toi, les moyens quelque part, la femme me fait, elle me donne plus la monnaie. Il dit non, madame. Elle dit, hé, hey, tu es un Dieu. Il dit, madame, c'est pas la grâce de Dieu. Dieu aime l'argent. C'est pas le grand Dieu. Et là, c'est pas pour moi. Il est mis dans ma poche. C'est pas ma raison de chercher. Après les 1000 francs, tu sais ce que tu appelles? C'est la partie de bas. Et tu trouves qu'il faut cacher ça. C'est les conséquences, tu connais. Soyez honnêtes. Amen. 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 Soyez honnêtes. Ça ne t'appartient pas pour donner. Si ça ne te dit rien de prendre quelque chose de quelqu'un, c'est que tu as un démon en toi. Parce que l'esprit en toi l'accepte. Maintenant, tu as l'esprit de Dieu ne va jamais accepter que tu sois qui prend quelque chose qui t'appartient. Ça te serait dérangé. Tu serais dérangé. Tu ne serais pas en paix. C'est ça quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu sais que Dieu est dans le péché, le vol, va te rappeler, il dit, va donner, va donner. Mais lui, il s'en fout. C'est là qu'il cherche même à voler encore. Tu vois, tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Tu dis amen. Amen. Et derrière, quand tu commences le péché, Dieu peut nous aider. Dis amen. Amen. Tu vas te poser la question, mais moi, mon état, là. Et moi, j'ai fini à prêcher. Vous avez comme quand il dit dans le cœur, Dieu va t'aider. Dis à quelqu'un, Dieu. Dieu va t'aider. Alléluia. Amen. C'est toute la grâce de Dieu. Amen. Vous savez que le salut, c'est la grâce de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il faut seulement avoir la volonté de pouvoir se séparer de tout ça. Dieu t'apportera son assistance. Amen. 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 Dieu amen. Amen. Dès que tu désobéis, tu brises l'alliance avec Dieu. Et le diable a accès à ta vie. C'est pour ça que le diable a le pouvoir souvent sur vous. Pour une petite désobéissance seulement, c'est fini. Et quand le contrôle, le combat que tu as fait pendant des années, là, où tu es en train de partir prendre la victoire, lui vient par des petits trucs, et puis il te terrasse. Parce qu'il connaît tes faiblesses. Il sait où tu es faible. Il sait que tu n'aimes pas quand on te dit, maman, tu es jolie, hein. Et les femmes qui sont très allergiques à ça. Là, quand tu dis je t'aime, ça c'est à gâter tout maintenant. Elle va te suivre comme un chiot qui suit son maître. Dis, elle est vraie. Je t'aime là, ça les dérange.
Celui qui doit dédier là, c'est ton mari. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Elle va dire, mais tu dis quoi? Il dit, je t'aime. Hein? Elle veut t'apprendre, hein? Je t'aime, hein? Hein? Elle ne va pas te prendre, tu décides la maison. Je t'aime, hein? Tu dis quoi, hein? Fait comme elle aime ça. Bien souris. Tu vas décider ta maison. Alléluia. Amen. Ton corps appartient à ton mari. Dis à quelqu'un, ton corps appartient à ton mari. Ton corps appartient à ton mari. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on sait ça au moins? Amen. On sait ça? Amen. Où est-ce que l'être venu te toucher? Marie te toucher. Tu as dit Vitor te toucher. Guy Vitor te toucher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose en matière de démons. Je vais vous expliquer quelque chose. Alléluia. Amen. Et c'est vrai que quand vous avez des rapports avec quelqu'un, vous partagez le même esprit. Excusez-moi. Je vais vous expliquer quelque chose de terre à terre. L'esprit que vous voyez là, c'est du sang. Hmm? Donc quand il y a un rapport, déjà il y a un mélange. Donc l'esprit qui en lui, c'est un mauvais esprit, il te contamine l'esprit, tu vois l'esprit. Donc imagine toi, si tu as fait à 10 personnes qui ont un mauvais esprit, c'est pas poisse qui serait sur toi. Nous français encore, il va dire poisse. Elle dit teigne de poisse là, c'est sur toi. Puis tu crois que tout est bloqué. Parce que le jour où tu fais les rapports avec quelqu'un qui est bizarre, il te communique ça. Elle dit, vous l'attrapez, non? Vous attrapez, vous embrassez. J'ai fini. Corps à corps, vous communiquez les choses. Où est-ce que vous allez? Tu sais, elle va vous les quitter. Elle buvait de Natsigi, tueur de l'homme. Il fait des choses bizarres. Lui veut t'embrasser pour les 10 000 francs. Parce qu'il faut faire ta partie. C'est ce qu'il met en toi. C'est les démons qui met en toi. Puis prends ce qui est bon en toi. La Bible dit que celui qui a eu la femme a eu le bonheur. Il y a un bonheur en toi. C'est ça que je dis aux femmes. Quand vous voulez vous marier, là, vous désarmez vos bouches. Parce que si vous ne mariez pas, vous allez faire judo. C'est la vérité. La Bible dit que celui qui a eu la femme a eu le bonheur. La femme est un homme. C'est la femme qui donne le bonheur. C'est ce que je vous parle. Depuis qu'on a dit que l'homme a eu le bonheur, on dit la femme a eu le bonheur. Ça vous dit la femme vient apporter un bonheur à l'homme. Donc on va vous regarder d'abord. Si vos bouches sont désarmées, on vous marie. C'est la vérité. Vous êtes là, vous parlez mal. Vous avez arme nucléaire dans vos bouches, arme chimique, 1024, ça se lève matin, ça vaut mal. Le soir, ça va s'asseoir. Est-ce que tu me connais? C'est moi qui vais avoir une suite mal, t'asseoir. Qui casse ça du mari? Ou bien, je dis le mari, là, c'est rapport sexuel. C'est le comportement. Non, sorcier à quoi? Quel sorcier qui a fait? Mais bouche qui te parle mal. C'est le sorcier qui t'a dit de parler mal. Amen. Vous avez dit la vérité, la sorcellerie, là, c'est vrai. Mais la femme, elle donne le bonheur à l'homme. Ou bien, quand c'est biblique, la Bible n'a pas dit l'homme est un bonheur, dit la femme devient bonheur. C'est-à-dire quand tu la vois, tu es content. C'est-à-dire que mon père le pite dans la maison. À cause des âmes chimiques à la maison là-bas. Ils sont dehors. Il va venir me voir ici. Il va venir me trouver. Ça va, il fait ça. Je l'appelle, mais il ne décroche pas. Si je l'appelle, il décroche pas. Il prend mon numéro, il ne décroche pas. Il va même me trouver ici. C'est pas que je vais venir dormir. Il va venir me trouver ici. Tu ne décroches pas mon numéro. C'est quand tu fais. Je sais où il est, mais il ne décroche pas mon numéro. C'est pour ça que ça donne quoi alors? Ça vous donne quoi? C'est où vous faites, vous perdez de vos hommes. L'homme ne change pas, il reste l'homme. C'est dangereux. Si vous avez cette pensée, vos films, vous regardez à 13h. Qu'est-ce qui vous gâte? Vos films brésiliens, vous regardez. Où les gens trompent les gens, qui vous a dit ça? Donc il a créé le faux type sur moi quoi. Vous savez pas que la femme vient changer l'homme. Si toi tu ne peux pas changer ton homme, là, tu dois mettre tes mauvaises. Là, c'est la femme qui vient changer l'homme. Elle est une aide.
Il dit, prends tout ton temps pour insulter les gens. Non, dégage de ma vie. Tu vas venir me tuer. Pourquoi? Dans la maison, il y a un patron. Il y a un chef. Tu dois être un chef pour moi. Allez, dégage, va, chef là-bas. Tu veux être un. On appelle un chef. Tu veux m'aider. Vous pouvez être chef, venir chez moi ici. Et moi, je suis chef. Vous appelez ici dictateur aussi. Amen. Vous savez que la femme, un grand soula, un gars bizarre, la femme peut le transformer. Amen. Même un grand délinquant, la femme peut le transformer. Amen. Mais ça dépend de vos bouches, pas des armées. Vous prenez le monsieur, vous le séquestrez toute la journée. Dis, vous inquiétez. Dis. C'est un garçon qui fait ça. Il n'a qu'à te dire, écoutez, je suis âge, je suis marié, tu as accepté ça. Le jour que tu dis à ta femme qu'il a trompé, là, tu as ouvert une porte à ta femme d'infidélité. Le jour que tu as avoué à ta femme qu'il a trompé, là, tu as créé en elle l'infidélité. Ah, plus quoi encore? C'est vous qui devez aider les hommes. Dieu a commencé à donner des cours de formation, si les foyers de cours. Amen. Amen. Si vous savez maîtriser votre homme, il va même bien aimer Dieu. Mais quand tu es dans la pensée, l'homme reste homme. C'est pas qu'il va dehors et il y a des choses qui ne trouvent pas en toi. Amen. Amen. C'est tout le secret. C'est le secret. Quand tu trouves ta chose, il faut bien prendre ça. Déjà, matin, tu dois savoir ce qu'il doit manger. Donc, si une fois que tu as maîtrisé ton homme, tu l'as gagné, il faut savoir le maîtriser. Vous savez, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Si tu as maîtrisé les deux choses, tu l'as gagné. C'est fini. Mais vous voulez parler, il n'a qu'à parler, tu as parlé. Parle, parle. Toi, t'es qui? Puis tu parles seulement, il y en a qui étaient. Je suis esclave ou bien. Mais c'est là qu'il y a le problème. Il y a un qui doit parler, un doit se taire. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça dans le foyer. Amen. Amen. Et vous pouvez savoir que si quelqu'un sait que tu as une bénédiction, que l'homme, là, il est bon pour toi, il va venir gagner. Amen. Amen. On dit amen. Amen. C'est tout. Désarmez vos bouches, vous allez voir. Les gens vont vous aimer. Tout le monde a sorcellerie, hein. Mais il y a bouche là qui peut aussi, qui fait fuir les garçons. Amen. Vous n'avez pas force, mais vos bouches là, hein, ouais, ça blesse. C'est plus dangereux que ma chaîne. C'est dangereux que ma chaîne. Le monsieur fuit. J'ai rien pour faire comme ça, ça ne va pas deux mois. Ma femme a parlé, elle a, j'ai parlé à mon mari, il a fui, il a quitté le domicile. Il a fui. Il dit, ma fille, tu as dit quoi? Il dit, ah, il a fui, j'ai tout fait. Il dit, mais moi, si tu me dis, c'est un fil. Ben, il sait que si tu as frappé, il va te blesser. Il ne sait pas où t'as touché. Ben, c'est quelqu'un qui a dit au monsieur. Il dit, si c'est moi, mais il te fuit. Ah, qu'est-ce que c'est ton mari? Elle le cherche maintenant. C'est un âme chimique qui a reçu le monsieur. Alléluia. Amen. Les démons, là, c'est nous qui les provoquons, puis viennent. T'as vu, ils sont là, non? Elle te provoque quelque chose. Amen. Amen. Il te promet les choses. Et puis quand tu. Et puis viens d'après. On dit amen. Amen. C'est tout. Un homme, il n'aime pas pour lui. Je vous dis la vérité. Il y a plus de femmes que des hommes. C'est quoi ce qu'il dit? Allez, prenez-moi un peu. Amen. Amen. Ah, donc si tu as eu la chose, il faut faire pédicure et manicure. C'est comme ça. On gagne pas. On gagne pas ça là. Donc prends soin. Ben, si d'ailleurs là, on va bien prendre les voleuses. Ben, on comprend bien le ministre, il va tomber dans le studio. Hein? Oh, la petite fille, elle écrit la petite fille dans le studio. Et c'est qu'il lance le guet la retienne à la maison. Mais qui m'était donné le vieux? Il a une chose dans les quartiers bizarres, à mon sucre. Là-bas, il a l'aise, il a peur. À la rivière, là, c'est pas là seulement.
Il supprime le vieux Angelo dans mon cycle. Il l'habite. Une espèce de manicure, bébé. Il est à l'aise. Et il va arriver là. Par là, il fait la balle. Alléluia. Amen. Nous allons tenir debout. J'introduis le message. C'est-à-dire le péché que tu fais. Si tu n'arrives plus à te maîtriser, c'est qu'il y a un démon derrière toi. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. C'est pour ça que tu as perdu le combat. Tu es tenté de gagner la victoire. La victoire était déjà de ton camp. Mais le diable t'a proposé le péché et tu as perdu le combat. Tu vas prier et demander pardon, Seigneur. Tu sais ce que tu fais chaque jour, tu accuses le cœur de ton Dieu. Tu vas demander pardon. Prie qu'on ouvre la bouche et prie. Nous mettons humblement en genoux. Je sais que tu ne fais pas, il n'y a pas de problème. Oh, alléluia. Nous te demandons, Seigneur, de ta miséricorde, viens et fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Oui, Dieu. Oui, Dieu. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Oui, nous comptons sur toi. Je ne peux pas faire de la vie.
commandé à l'esprit. C'est tellement un démon rentré dans ta vie. J'ai un démon dans ta vie. J'ai un esprit qui t'amène chaque jour à désobéir à Dieu. Et si tu te fais perdre le combat, tu as un esprit dans ta vie. Nous allons prier, commander au démon de partir. Prions ensemble, le Seigneur. Prie, prie, prie. Prie. Oh, la bala, santa bala, 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 bala. Where you have the place, santa bala, bala, bala. Oh, la bala, you have the soil of the place. Oh, la bala, you have the place. Where you have the place, santa bala, bala, bala. Where you have the place, santa bala, 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 bala. Where you have the place, santa bala, bala, bala. Where you have the place, santa bala, bala. Where you have the place, santa bala, bala. Hallelujah, my God is my God. Oh, la bala, 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 bala. Where you have the place, santa bala, bala, bala. Il y avait maître, qui était maître, et qui avait l'autorité sur vos vies. Je commande à ces esprits de vous lâcher. Et maintenant, pendant que je prie, la puissance de Dieu les déloge. Je te commande au nom de Jésus. La puissance de Jésus. Je commande aux esprits, pendant que je prie, lâche sa vie. Lâche sa vie. Au nom de Jésus. Ah, allez. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche sa vie. Ah, allez. Ah, allez. Vous libérez sa vie. Dans le nom de Jésus. Vous lâchez sa vie. Vous lâchez sa vie. Je vous demande de lâcher sa vie. Libérez-la. Oui, libérez-la. Au nom de Jésus, lâchez sa vie. Lâchez-la. Au nom de Dieu. Peu. Allez. Peu. 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 Lâche-la. Avec l'esprit. Mais là, c'est ce que ça veut dire. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Anel, ça. Anel, Anel. Il y a un peu. Libérez-la au nom de Jésus. Partez. Lâchez ça. Lâchez ça. Le feu. Transposez. Parlez. Deux. Quittez sa vie, c'est un ordre. Et lâchez-la. C'est un ordre. Libérez-la et maintenant. Dans le nom de Jésus. Feu. Libérez sa vie. C'est un ordre. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Lâche sa vie maintenant. C'est un ordre. Lâche sa vie. Quitte sa vie.
Quitte. Va-t'en. 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 Allez. Va-t'en, va-t'en. 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 Oui, quitte. Tu vas partir. Manifeste-toi et va. Manifeste-toi et va. Va-t'en. Lâche le corps. Va et maintenant, c'est un ordre. Quitte sa vie. Libérez sa vie. La puissance de Dieu déloge. Et lâchez-la, au nom de Jésus. Lâchez-la. Lâchez-la, au nom de Jésus. Quitte sa vie. Feu! Oui, le feu sur toi. 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 Le feu sur toi. Feu. Feu. Le feu du Saint-Esprit. Et lâche la vie. Manifeste-toi maintenant. Oui, manifeste-toi et quitte ce corps. Manifeste-toi et va-t'en. Tu lâches la vie. C'est un ordre. Tu m'entends? C'est un ordre. Lâche-la. Je vois l'esprit de mort. Oh my God. Il sent qu'on l'a déjà tué. Vous lâchez son âme. Et vous lâchez sa vie. Lâchez-la. Lâchez-la, au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. 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 Au nom de Jésus, je détruis. Je détruis au nom de Jésus. Allez! Oui, tu vas quitter ce corps. Et tu vas quitter à jamais sa vie au nom de Jésus. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Lâchez-la. Lâchez ce corps. Au nom de Jésus. Lâche-la. Quitte sa vie maintenant, au nom de Jésus. Voilà. Rampe comme un serpent et va-t'en. Rampe et va. Rampe et va-t'en. Oui, si. Si. Tu vas quitter sa vie. Si, quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Tu vas quitter sa vie. Tu vas quitter sa vie. Le feu sur toi. Le feu sur toi dans le nom de Jésus. Le feu sur toi au nom de Jésus. Le feu sur toi. Jésus-Christ te délivre maintenant.
la puissance de Dieu te délivre maintenant. Je libère ta chair. Je libère ton sang. Je libère tout ton être dans le nom de Jésus. Je proclame ta délivrance maintenant même. La puissance de Dieu te libère. Elle te délivre aujourd'hui. Elle te délivre. Oui, elle te délivre. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus te délivre. La puissance de Dieu te délivre. Dieu te guérit maintenant même. Jésus te guérit maintenant. Jésus te guérit maintenant. C'est la puissance de Dieu. Maintenant même, vous m'entendez? Libérez sa vie et maintenant, par la puissance qui est dans le nom de Jésus, lâchez-la et libérez totalement sa vie dans le nom de Jésus. Libérez sa vie au nom de Jésus, lâchez-la. Ta tête, ta tête. Pourquoi tu montres ça? Ta tête à ton temps qui veut te délivrer. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça à ton temps? Explique-moi pourquoi tu as fait ça. Là. Elle est c'est votre ma nièce. Les parents sont où? Les parents sont où? Tu n'as pas répondu à la question. Son papa a déjà sa maman en Belgique. Comment elle s'est retrouvée ici?
Tu es passé là-bas, c'est pas ça qui est plus important. Je n'avais pas dit que je suis le plus puissant en Côte d'Ivoire, non. Pourquoi vous êtes là? Sa délivrance. Ça va? Et toi, tu viens, tu te transformes, tu veux attaquer un homme de Dieu. Tu veux essayer. Tu comprends? C'est moi qui l'ai fait. Ça dit pas ça souvent. Hein? Tu as bouché, pas de ma bouche. Ça dit pas ça souvent. Essaye les gens. Hein? Quand tu m'as essayé. Hein? C'est ça, non? Je t'ai vu, non? Ça veut dire que tu n'es rien. Qui t'a donné une sorcellerie? Hein? Oh, je te soigne. Tu sais, je t'aime bien. Je t'ai dit, t'as compris. T'as compris? On va te délivrer. Ok? Tu seras plus sorcier, d'accord? On va t'amener ça. C'est moi qui t'ai attaqué. Moi, je t'aime bien. T'as compris? On va te délivrer. Qui t'a donné? Hein, ta grand-mère. C'est quelle grand-mère? La maman de ton papa. Comment elle t'a donné ça? Il y a beaucoup de risques au travail. Hein. Si tu ne vois pas, ils vont te... Pendant qu'ils sont en train de prier pour la fille, la petite l'attend de Nigeria. Elle me flash, flash, flash. Quand tu étais... Vous voyez donc que c'est la même chose des aveux. Quand ils donnaient de l'eau à boire, écoutez, elles transformaient ça en sang, c'est ça? D'accord. Comment tu as su que tu es venu? Comment tu as su que tu es sorti? Tu as fait quoi? Qu'est-ce qui te fait dire que tu es sorcière? Quelqu'un m'a donné. Et puis elle est venue me chercher. Elle a pas dit, mais tout à fait. Ah, d'accord. Elle est venue te chercher. Elle allait te présenter quelque part. Et puis elle a dit qu'elle m'a donné. Elle m'a initié. Et puis elle m'a donné ce que je dis. Elle n'a pas mourir. Et puis je vais la remplacer. Ah, d'accord. Tu vas la remplacer. Elle est les reines là-bas. Oui. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a connu sa sœur. Et puis, elle m'a dit, ma petite sœur. D'envoyer ta petite sœur. Et puis, elle dit qu'on a pas tué. Laisse-moi prendre ma petite sœur. D'envoyer ta petite sœur. Et tu as tué quoi? Qu'on va la tuer. Maintenant, ça, elle a passé nous. Maintenant, il y avait un marigot. Maintenant, dans Marigot, elle a mis tête de ma petite soeur dedans, puis elle a serré son cou. Et ça, ils l'ont mené à l'hôpital, et puis on dit qu'elle a perdu le sang, qu'il y avait l'eau qui sortait de sa narine. Donc, c'est vous qui avez fait ça. Là-bas, là, vous avez mis sa tête dans Marigot, et quand on l'a mené à l'hôpital, l'eau est sortie dans ses narines. Quand vous êtes à la maison. Vous comprenez? Regardez bien le mystère là-bas. Donc elle est morte. Oui. Ouais, ça c'est clair. Ça dit que déjà, et comme j'ai dit l'habitude de dire, on ne peut pas être sorcier tant qu'on n'a pas donné quelqu'un. Vous avez compris très bien l'introduction de. Elle a été initiée, donc il fallait donner une personne de chair. Donc elle récupère sa petite soeur, elle la livre à la confrérie. Et quand il y a une tuerie, c'est-à-dire elle maintenant, elle a droit à la parole. Elle peut maintenant parler, s'exprimer parler dans la confrérie. Ah, mais j'ai donné pour moi. C'est comme ça. Et donc tu as assisté à la mort de la petite soeur. Non. Elle est morte par noyade là-bas. Oui. Et puis physiquement ici, on a vu l'eau sortir de ses narines. Oui. Et tu n'as rien dit. Non, tu n'as pas répondu à la question. Quand elle est morte, tu n'as rien dit. On garde secret, non, là-bas. C'est ça?